C'est la cinquième caravane qu'on organise au profit des migrants subsahariens résidant ici à Dakhla. C'est une caravane qui concerne d'abord les migrants, c'est important. Je crois que c'est une symbolique par rapport à cette volonté du Royaume à faire de son expérience quelque chose de partagé au niveau de l'Afrique. Nous avons estimé le nombre de consultations qui aura lieu pendant ces deux jours à 500. Là, on va faire le triage des cas qui sont urgents, des cas non urgents, les cas médicaux et cas chirurgicaux. Par la suite, donc, ils auront une consultation. En cas de nécessité de chirurgie, donc, on va les programmer dans les plus brefs délais. Nous avons une capacité énorme de personnel médical et paramédical et nous pouvons couvrir l'ensemble de la population si on en a besoin. Ils seront pris par tous les hôpitaux du Maroc, mais plus particulièrement ici dans la région, parce que c'est une porte d'entrée au Maroc. La caravane s'inscrit dans le cadre de la coopération Sud-Sud. C'est une initiative faite par le gouvernement du Maroc. On a beaucoup de choses en commun, tous les pays africains, le Maroc et les pays de l'Afrique subsaharienne. On a beaucoup de programmes en commun, on a des problèmes en commun. C'est l'occasion de développer la santé au niveau de l'Afrique, de trouver des solutions ensemble. L'événement Cross Montana nous permettra de valoriser le travail et de le faire sortir dans les médias internationaux. C'est très important de parler des enjeux de la santé ici au niveau du Forum Cross Montana. C'est l'occasion de trouver des solutions, soit pour le Maroc, soit pour l'Afrique. La particularité de cette année, c'est qu'on a augmenté le nombre de patients. On a couvert l'ensemble de besoins d'offres de soins ici à Dakhla dans une seule caravane. Et ça, c'était un exploit. On commence à recevoir des gens d'autres pays, d'autres nationalités qui viennent se soigner ici à Dakhla. C'est une fierté pour Dakhla et aussi pour le Maroc. Et c'est l'occasion aussi, avec les convives de ce Cross Montana, de ce forum d'aujourd'hui, qu'ils viennent s'enquérir du niveau de l'offre de soins que peut présenter l'hôpital de Dakhla, l'hôpital Hassan II de Dakhla, qui est un exemple parmi d'autres au niveau de notre royaume.